cavalier moderne vous dit bonjour. Madame et monsieur, moi c'est cavalier moderne, bonjour. Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ma sauce champignon. J'ai une fille qui est très fan des champignons, donc je lui fais ma version à moi. Mais bon, elle fait pas dans le light, hein, donc elle va manger ça avec des frites et de la viande. Mais les champignons seront version allégée. Donc sauce aux champignons, vous aurez besoin pour la réalisation des ingrédients suivants. Voilà, donc vous aurez besoin d'à peu près 100 ml de lait demi-écrémé, voire écrémé, si vous voulez faire dans le light. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de fécule de maïs. Voilà. Vous aurez besoin d'une petite échalote. On l'a déjà émincée. Vous aurez besoin de 250 g de champignons. Champignons de Paris émincés, on les a coupés. Ensuite, vous allez utiliser un peu de persillade. C'est ce mélange ail-persil fait maison. Ensuite, du poivre blanc et un peu de sel. Voilà. C'est parti pour la préparation. Voilà, donc pour réaliser notre sauce champignon, si vous ne faites pas dans le light, mettez du beurre. Mais si vous faites dans le light, on va mettre un peu d'huile d'olive. On ne fait pas trop chauffer l'huile d'olive, je l'ai déjà dit. Hop, les échalotes, on fait suer. Voilà, dans les échalotes, ça a un goût très fin, c'est très raffiné. J'aime beaucoup et mes enfants commencent à aimer aussi. Donc voilà, mais si vous préférez les oignons, mettez les oignons. C'est déjà en train de rendre un parfum subtil, c'est très bon. Ensuite, on va mettre nos champignons. Il faut savoir, les champignons, ils réduisent vite, hein, donc n'hésitez pas à mettre de la quantité. Hein. Ici, c'est à peu près pour deux personnes. Hein. Mes deux filles vont manger ça. Quand j'ai du mal parfois à faire manger certains légumes, quand je tombe sur un légume qu'elles aiment, je l'exploite. Voilà. On va un petit peu faire consoler. Ça. Ce qu'on peut faire, comme on n'utilise pas de cube, on va directement mettre un peu de sel. On met un peu de sel. Et ici, notre persillade a rendu un peu de jus. On peut mettre un peu de jus pour mouiller parce que c'est vraiment parfait. Voilà. Et là, on va avoir un petit jus. Voilà. Et ça va parfumer en même temps. Il faut juste un peu de liquide pour permettre aux champignons de cuire. Ça sent très bon. Les champignons. Voilà, vite réduit, hein. Je vous avais dit, c'est à peine pour deux personnes. Donc il faut compter à peu près 125 grammes par personne.
Voilà, donc je vous ai déjà toujours dit, la maïzena, ça se dilue dans du liquide froid. Jamais dans le chaud, sinon ça va directement figer, ça va devenir gluant. Donc c'est le lait. Si vous voulez vraiment faire dans le light, prenez le lait écrémé. Ici c'est demi-écrémé parce qu'à la maison on a que celui-là, mais sinon à l'occasion, voilà. Et donc ce jus, vous allez le verser. Ça va être votre base pour votre sauce et on va touiller jusqu'à ce que ça épaississe. Ensuite, on peut ajouter notre persillade, une cuillère, voire deux, allez, franco, go. On touille, ça va épaissir avec la maïzena. Voilà, ce ne sera pas trop gras parce qu'on n'a pas mis de beurre, on n'a pas mis de crème fraîche. C'est aussi la version avec la crème fraîche. Hein. Donc ici, c'est une version, juste lait, maïzena, ça va épaissir. C'est meilleur avec des champignons frais. Hein. Il y en a qui font ça avec des champignons en boîte, il faut aimer. J'aime pas trop la texture des champignons en boîte. Ça commence à s'épaissir. Voilà, donc c'est en train de s'épaissir. Bon, j'ai un petit souci parce que j'ai tout déplacé dans ma cuisine, je faisais des travaux. Je ne retrouve plus le carton avec les moulins à poivre. Donc, mais après, vous verrez que je vais reprendre mes bonnes habitudes. J'aime bien le poivre du moulin. On va mettre un peu de poivre blanc. Bon, si vous êtes hyper fan d'autre chose... vous pouvez mettre autre chose. Ici, on va mettre de la noix de muscade parce que ma fille est hyper fan. Mais la noix de muscade, c'est une question de dosage. Il ne faut pas en mettre trop. Hein. C'est vite mauvais. Voilà, on met un petit chouïa. Un petit peu. On tourne. Voilà, on obtient une sauce crème. Hein. C'est bien épaissi. On goûte le sel et au besoin on rectifie l'assaisonnement. Il ne faut rien mettre de plus, hein. Il ne faut pas venir exagérer les saveurs. C'est très très bon, la persillade a bien fait son travail. À la fin on va pouvoir un petit peu juste parsemer de persil pour donner de la couleur et c'est tout. C'est un très bon goût. On peut déjà stopper, ça va terminer la cuisson avec la chaleur qui est là. J'ai déjà éteint.
faut juste bien cuire pour pas qu'il y ait un goût de maïzena cru. Donc voilà. Voilà les amis, notre sauce champignon est prête. Voilà, bon ici c'est pour mes jeunes. Hein. Elle va manger ça avec des frites. La gamine qui va manger ça, elle a 8 ans. Hein. Donc on va pas la mettre au pain sec. Mais vous pouvez faire ça pour un adulte, vous mettez des pommes de terre nature, alors si vous voulez faire dans le light. Voilà, sauce champignon allégée. Avec une pièce de viande, ça passe très bien. L'émission au CK de Valère Moderne vous dit au revoir, Vande Konanga, Okutani Malasima, Meka Kosa Aso Champignon ou Yonandaku. Après, vous en avez un commentaire ou le bas. Soko s'abonner à notre télé, s'abonner, dites-moi j'aime. Bye!